Bonjour. J'avais pas dit que c'était la dernière vidéo, la dernière fois. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé, entre-temps, j'ai acheté le jeu en fait. Genre, je sais que genre pendant le let's play, je disais ouais, armes, ça sera pas ma priorité, tout ça, je vais pas le prendre tout de suite. Si je le prends, ouais, je le prendrai plus tard, ouais. Au final, c'était le premier jeu que j'ai repris. En vrai, j'ai trouvé pour pas cher. Genre, j'avais trouvé 25 € dans un Leclerc, un magasin Leclerc d'occasion. Du coup, ben ouais, j'ai pu le récupérer pour pas trop cher. Parce que 25 € comparé à ce que je trouvais à Strasbourg, en fait, quand je le voyais, parce que je le regardais souvent en fait sur Strasbourg, et donc voilà quoi. Alors, je sais que j'ai pas lu les backgrounds, alors je pense que je vais le faire là maintenant. C'est un peu stupide de le faire à la fin, mais bon. J'imagine qu'on va le faire. Alors, notre champion actuel a décidé de faire une tournée régionale pour participer aux qualifications. Notre fidèle serviteur Globule l'accompagnera sur cette tournée pour commenter ce combat en direct. Certains parmi vous ignorent, mais peut-être que le champion n'est d'autre que Max Brass. Bah, quand même, il fait quand même 117 kilos. Bon, après, avec tous ses muscles. Et oui, le président de Arms Impressum, son aura telle qu'il faut diviser les coudes. Pour purée. Si j'arrive pas à lire, c'est bon là. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'abandonne en fait. C'est parce que je sais pas lire, c'est vrai, j'avais oublié. Mince. Je sais pas lire. Ah bah tiens, il va faire son premier combat contre. C'est ouf. Il est chaud comme la braise. Alors j'espère qu'il a gardé son ticket de caisse. Quoi? J'imagine que les textes, à chaque fois je dis ouais je les lirai au montage, mais au final je le connais. En général en fait, oula, par contre il est super imposant en vrai quand on le joue Max Brass. D'ailleurs au final je crois que, bah en fait le personnage de, le personnage d'Arms a été annoncé du coup pour Smash Bros. Et ça n'a été d'autre que Min Min du coup. Et j'avoue que face à ça, j'ai été super content parce que j'aime beaucoup Min Min au final. C'est un personnage que j'apprécie pas mal. On va pas se mentir. Donc moi j'ai trouvé ça cool parce que c'est un des personnages que j'ai le plus apprécié. Par contre, c'est très stupide ce que je viens de faire. Mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai quand même un petit peu perdu la main depuis le temps. Je sais que j'ai un peu joué entre temps quand même. Hein. Pas déconner non plus, mais en tout cas ça va. J'ai trouvé l'annonce du personnage cool. Après, je pense pas que malheureusement je pourrais prendre les DLC immédiatement, étant donné que bah, déjà de toute façon je joue pas énormément à Smash en ce moment, vu que j'ai comment dire pas mal d'heures sur Animal Crossing. Je crois que je suis à 620 heures actuellement. Donc bon. Bon, à mon avis, à l'heure où cette vidéo sortira, le jour où cette vidéo sortira, je pense qu'on saura déjà carrément qu'est-ce que ça sera le second personnage du DLC, du deuxième Fighter Pass de Smash Bros. Donc j'avoue que. D'ailleurs, j'avoue, j'ai pas sorti le chronomètre. Bon, il me semble qu'à partir du cinquième match, j'arrêtais, il me semble, donc un truc du genre. Voilà. Et du coup ouais pour le jeu ben du coup ben je l'ai pris parce que je me suis dit bon il est pas cher et comme je disais dans les magasins d'occasion que je trouvais à Strasbourg en fait ben Arms il était super cher en occasion même en fait les jeux en général sur Nintendo Switch quand j'allais à Strasbourg donc on va dire dans une grande ville tout simplement j'avais l'impression que les jeux ils étaient super chers comparé au petit patelin là bon après je sais que dans ma ville natale il y en a un, mais j'ai pas encore réussi à y aller parce que ben j'aimerais bien y aller parce qu'ils peuvent réparer les CD apparemment, donc ça pourrait être cool parce que j'avais pris également un Final Fantasy XV qui lui ne fonctionne pas parce qu'il est ultra rayé. Normalement, avec le ticket de caisse, je suis censé avoir la possibilité de me faire rembourser, mais le problème c'est que ben là où je l'avais acheté. Ah d'accord, j'ai fait un parfait. Du coup, ouais, là où j'étais allé l'acheter, en fait, c'était dans une autre région. Donc ça a 1h30, c'est à presque 2 heures de route d'ici, si je dis pas de bêtises.
Donc ouais, moi j'ai un peu je vais pas dire que j'ai la flemme, mais un peu la flemme quand même, quoi. Je peux pas aller là-bas en fait, juste pour aller dans un trou paumé. En plus, je n'ai plus le ticket de caisse, je crois. Donc c'est mort. Traduction, si vous achetez un jeu, gardez vos tickets de caisse, hein, ça pourrait vous sauver la mise. Mais bon, vu que j'avais pas de PS4 sous la main pour essayer le jeu. Après, je voyais que le jeu était en sale état quand même. Mais bon, j'aurais pu anticiper les choses, mais bon, tant pis. Mais au moins, Arms fonctionne, c'est déjà ça. Après, je pense qu'il faut vraiment le faire pour qu'un jeu Nintendo Switch ne fonctionne pas, en fait, je pense. Du moins, ça, c'est mon avis, hein. Mais ouais, voilà. Après, c'est peut-être pour ça en vrai que les jeux ils sont plus chers, étant donné que c'est plus difficile de ne pas les faire marcher. Puisqu'en général, en vrai, c'est plus l'histoire de la console. Oui, bon, après, c'est un jeu défectueux, ça peut arriver. On va pas se leurrer non plus. Wow, 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 là, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Vas-y, laisse-toi faire. Voilà. Quand je dis laisse-toi faire, c'est laisse-toi faire. Excusez-moi si je me concentre un peu. Bon, de toute façon, vous avez un peu l'habitude avec ce let's play, j'imagine. Enfin, vous avez l'habitude. Faut déjà qu'il y a des gens qui regardent. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui regarde, vous êtes une crème, j'imagine. Oula, par contre, là, je suis en train de perdre. J'ai tenté. C'est pas grave, on recommence. On va retenter. Tout simplement. Bon, moi, j'imagine que c'est... Si je veux me prendre une excuse valable, c'est à cause du fait qu'on est le matin, j'imagine. Genre, j'ai profité que... qu'il n'y ait personne chez moi, j'imagine, pour faire une vidéo. C'est même pas, j'imagine, j'ai profité, du coup, mais par contre, je me suis levé pour vous, enfin... Comme j'ai dit, s'il y a des gens qui regardent. Si vous êtes une personne de ce genre, je vous aime. Ah là, j'ai quand même un certain avantage, on va pas se mentir là. Ouais, bon, là j'ai carrément un gros avantage là, donc. Donc ça devrait aller. Je pense que c'est mort pour qu'elle puisse se rattraper. Ça va. Et bon, j'avoue que j'aurais préféré le volleyball. Ça aurait été un peu mieux, quoi, pour le coup. Là, c'est un truc, voilà, quoi. Oh, 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 oh. Oula, là, ça fait deux poids lourds, là, pour le coup. Je me demande ce que ça donne, hein. C'est qui, après? Ouais, on va faire attention avec lui. En général, c'est celui qui me pose le plus de problèmes. Et vu que j'ai le président, je ne peux que gagner. Voyez le combat précédent. Comment ça se fait qu'il a déjà... Après, c'est vrai que je peux faire comme ça. Il a l'air quand même puissant, le président, là, pour le coup. Après, si ça se trouve, je vais être bloqué. C'est vrai qu'en général, sur la première vidéo d'un personnage, c'est pas le moment où je suis le plus bloqué, en général. Après, j'ai un peu joué dans des difficultés un peu plus élevées, donc j'imagine que j'ai peut-être pris un peu la main, mais bon, c'était un petit moment, quand même. Je me suis reposé plus avec Animal Crossing. J'ai quand même plus d'heures sur Animal Crossing que sur... sur Super Smash Bros Ultimate. Après, je pense que je pourrais pas dépasser mes heures de jeu sur Animal Crossing, enfin
Super Smash Bros. Melee, mais après Super Smash Bros. Melee, je n'ai pas accès aux heures parce que ma première sauvegarde, elle a été, elle avait été ma première carte mémoire en fait de GameCube, elle était CD. En plus, c'était une carte mémoire Star Fox Adventure, mais j'ai jamais eu Star Fox Adventure. J'ai jamais touché de ma vie à ce jeu en fait. Je crois que je l'ai téléchargé sur HomeStation, mais j'avoue que je l'ai jamais essayé. Il me semble que je l'avais préparé pour un let's play éventuellement, mais ah, reste à voir dans le futur. On verra ça plus tard. Parce que là, j'avoue que c'était assez. On m'avait dit que c'était une sorte de Zelda, donc ça pourrait que me plaire, j'imagine, vu que j'aime bien les Zelda. Je pense que ça a été remarqué vu le nombre de let's play que j'ai fait, mais bon, la plupart ne sont plus en ligne, il me semble. Je crois que c'était parce que Ocarina of Time, il y avait beaucoup de trucs. C'était monté à l'arrache. C'était monté à l'arrache. Surtout qu'il y a certaines vidéos, elles font 10 minutes. T'en as d'autres, elles font 45. C'est pas régulier du tout, je trouve. J'aime pas ça. Ce n'est pas professionnel. Quand j'ai l'impression qu'il y a aucun qui mette un bouclier devant moi. Par contre, je me demande ce que ça. D'ailleurs, je me demande qui ça sera le boss du président. Est-ce qu'on va se battre contre le président? J'ai hâte de voir ça. On verra ça dans la prochaine vidéo, du coup, étant donné que celle-ci est terminée. Bon ben, c'est sur ce que moi je vous invite à partager, commenter, vous abonner et aimer la vidéo. Portez-vous bien, c'est très important. Et ben, on se retrouve à la prochaine fois.